Et donc, voilà, la mémoire, c'est important. La mémoire, c'est important. La mémoire, c'est quelque chose qui est... les archives, c'est pas exactement un souvenir. Les archives, c'est mieux qu'un souvenir. C'est une capture fidèle du passé. Et la mémoire, c'est très important contre l'oubli. Contre l'oubli de soi, contre l'oubli orchestré aussi par l'autre, par les autres, qui voudraient qu'on oublie, qu'on s'efface de soi. Et pour cela, contre cela, il est les archives de la mémoire. Donc comment faire pour effacer quelqu'un qui a archivé sa mémoire? Comment faire? Une question que je me pose. Comment on fait? Pas comment ils vont faire, je suis pas convaincu, parce que je me souviens quelque part, je me souviens toujours, et après ils sont là, ils essayent de faire des choses étranges, des dérives, comme si, mais eux ne savent pas, eux tout ça ils ne voient pas tout. Ça, c'est quelque chose. C'est la boîte noire. Et la boîte noire, ça, c'est... C'est une garantie. C'est une garantie. C'est une certitude. Parce qu'il tape tellement dur sur la tête, il tape tellement dur par-ci, par-là. On peut perdre la mémoire, on peut être assommé, on peut somnoler, on peut être dévié, on peut perturbé, on peut être déphasé, on peut être beaucoup de choses. Ça, c'est l'antidote. C'est la boîte noire. C'est la certitude de comprendre ce qui s'est exactement passé. C'est la certitude de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Ça, c'est contre le doute, contre les mensonges, contre les illusions, contre les manipulations, contre les vampires, les mauvais génies, les mauvais sorciers. Ça, c'est contre l'extinction de soi, ou la destruction de soi, ou l'altération de soi. Ça, c'est contre la démolition. Ça, c'est pour la reconstruction. C'est la consolidation. Tu peux défragmenter le disque dur aussi. Ça marche aussi bien. Et ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tous ces systèmes qui sont faits fonctionnaient avant et déviaient. Vous pouvez défier la personne et la faire changer d'une manière... toujours sur le travail d'effacer la mémoire pour la remplacer par une nouvelle.
Mais ce remplacement n'est pas forcément heureux. Parfois, ce remplacement est le contraire. Il est l'altération de la personne. Elle ne se souvient plus de ce qu'elle était. Elle est devenue ce que les autres ont bien voulu qu'elle devienne. Et c'était comme ça avant. Mais cette génération-ci possède la mémoire. C'est un atout. C'est la boîte noire. La mémoire, c'est très important. Pour savoir qui on est. Mais surtout ne pas oublier qui on est. Et quand on a la mémoire comme ça, une mémoire dure, c'est pas une mémoire vive. Normalement, c'est une mémoire vive. Ça, c'est une mémoire dure. Le jugement des autres, évidemment, qui entre dedans, devient beaucoup plus relatif, car il est toujours en regard d'une mémoire dure. Vous comprenez ou pas ce que c'est? Comprenez ou pas ce que ça veut dire? Il y a combien d'années là-dedans? Qui sait mieux que moi qui je suis? Qui va venir changer cela? Qui va changer les archives? Qui va effacer ça? Comment on fait? Vous voyez, ça, c'est quelque chose en psychologie. C'est très différent. C'est très différent d'avoir un individu qui a une mémoire dure et qui maîtrise sa mémoire ou les souvenirs qu'il en a. C'est pas des souvenirs, ce sont des archives. Et qui peut interpréter, relire ses archives, sa mémoire, mais de manière objective. Et très représentative sur des années. Ça, c'est très différent d'avant. La génération d'avant n'avait pas ceci. Et donc, finalement, les gens oublient et deviennent ce qu'ils deviennent. C'est comme le poisson rouge dans le bocal, un poisson rouge dans le bocal. Il a une mémoire il paraît de 30 secondes, il paraît, une minute. Une mémoire courte. Et l'oublier, à chaque fois, il retourne en boucle. Sa mémoire vive change, se recharge, recharge. C'est tant et si bien que s'il a souffert sa dernière minute, c'est tout ce dont il se souviendra dans sa vie, qu'il a souffert la dernière minute. Et c'est tout ce qui a été son existence. Ça, c'est le principe de la mémoire vive, du poisson rouge, sans mémoire dure. Ça permet de bien relativiser les choses, d'avoir une mémoire étendue, une extension de mémoire comme ça. Oui. Ça donne des racines à la mémoire. Beaucoup d'ancrage à la mémoire. Beaucoup d'ancrage à la psyché. Donc, ceux qui attaquent, se rendent
se rend-il seulement compte de ce à quoi il s'entraîne? Parce que certains de ses assaillants, ces pervers narcissiques ou manipulateurs et tout ça, n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas la mémoire d'eux-mêmes. Se rendent-ils compte qu'ils sont plus fragiles que leurs victimes? Se rendent-ils compte de cela ou pas? Je me demande s'ils s'en rendent compte. C'est un vieux roman, c'est une vieille histoire. C'est une romance aujourd'hui. C'est drôle, hein? Hein? Je trouve ça drôle. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Et ça, c'est très différent des générations d'avant, je répète. C'est très très différent. Très 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 différent. Parce qu'on en voit bon nombre hein, qui est comme ça, et à un certain âge. Et... c'est comme s'ils n'avaient plus d'où ils venaient. Ça peut arriver dans la vie. Et ils sont comme. Comme égarés ou comme. Comme s'ils avaient subi un lavage de cerveau, comme s'ils ne savaient plus. C'est la confusion. Ils sont égarés. Une confusion. Les jugements. Je suis, et puis les jugements, les mauvaises personnes, et tout ça peut interférer et changer la vision, et créer des déphasages dans le psychisme, dans l'image de soi, tout ça joue beaucoup. C'est des choses qui sont beaucoup attaquées, c'est des choses qui sont associées avec les rapports entre les autres, l'enfer dans cercle, l'enfer c'est les autres. C'est des choses qui sont vraiment, vraiment, c'est épidémique, c'est récurrent, il y a quelque chose qui est un peu systématique. À un moment, on est beaucoup confronté à ça. On doit défendre son identité. Elle peut être attaquée. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que ceux qui assaillent sont plus fragiles que ceux qui subissent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est drôle. Parce qu'avec le temps, ils se souviennent même pas eux-mêmes de ce qu'ils ont fait. Ils se souviennent même pas eux-mêmes de ce qu'ils ont dit. Moi, je m'en souviens. Donc, à quoi bon? Pourquoi insiste-t-il encore? Qui vient-il encore chercher? Pourquoi s'accroche-t-il comme ça encore? Que cherche-t-il? À faire dévier ou à faire tomber? Le temps qu'ils essayaient de le faire, ils auront même oublié qui ils sont. Et d'avoir échoué, il ne restera finalement que... quoi? D'eux-mêmes. La mémoire, c'est quelque chose de... c'est très nouveau. Je dis, c'est vraiment cette génération-ci qui ont la mémoire. Elles ont la mémoire. Avant, c'était pas comme ça. On arrivait à faire changer les gens à force du conditionnement et de temps, en fait. Le temps et le conditionnement, ça arrive à faire changer les gens, ça arrive à les faire évoluer, comme ça arrive à les faire dégénérer. Il y a beaucoup de ça dans cette société, ce système. Parce que les gens... finalement, on est égaux dans l'école, dans le système scolaire, on apprend jusqu'à un certain moment, jusqu'où on peut aller. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a la société, soit elle veut nous tirer vers le bas, elle veut détruire toute notre mémoire pour nous faire devenir autre chose, de moins, mais on oublie qui on était, donc on ne se rend pas compte, et en effet, on devient une version altérée de soi. Ouais. Ça, c'était avant, c'était beaucoup comme ça. Et on arrivait comme ça à faire en sorte de rendre le peuple plus
qui s'adapte à sa condition et finalement qui soit plus corvée à bas merci, des choses comme ça, par exemple. C'est un exemple. Ou les gens aussi, par exemple. Ça arrive. Les périodes narcissiques jouent beaucoup sur la mémoire à long terme. Et on oublie et ils jouent beaucoup là-dessus. Mais comment font-ils quand ils s'attaquent à quelqu'un qui n'oublie pas? Ça, je me demande ce qui se passe. Et à mon avis, il se passe des choses que j'ai vues. Un truc un peu absurde, qui finalement ne ressemble pas à grand-chose. Et ils doivent être en rage, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. C'est la mémoire. C'est ce qui fait qu'on sait faire la différence. C'est ce qui fait qu'on sait évaluer la situation, qu'on sait qui on est, d'où on vient. D'où on vient, c'est important. Ça fait partie de l'identité. Plus tu te souviens d'où tu viens, moins on va te faire prendre des vessies pour des lanternes, te faire croire que tu n'es ce que tu n'es pas, ou autre chose que ce que tu pensais être. Ça, je pense, c'est vraiment qu'en psychologie moderne, je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite étude, qui mérite recherche. C'est l'impact de la mémoire. Sur la résilience d'une personne, de son mental, de sa structure, de son identité, de sa personnalité, de sa force ou sa structure ou sa capacité à faire face ou à tout ce qui est externe et qui cherche à porter atteinte, comme les manipulateurs, les pervers narcissiques, tous ces gens pervers qui essayent de. Qui veulent dominer, qui ont besoin. Les vampires, qui ont besoin de contrôler, de dominer, de changer, de pervertir l'autre. D'avoir un impact négatif. Il y a beaucoup de gens blessés, qui ne se souviennent pas forcément de ce qui s'est passé, qui ne se rendent pas forcément compte. C'est pour ça que la mémoire, c'est très important. Parce qu'elle permet de reconstituer le fil des événements. Parce qu'entre un instant A et un instant F, il y a toute une séquence. Elle perd le fil parfois, on ne sait plus. Et c'est ça qui fait qu'on était A et qu'on est devenu F. Mais quand on est F, on ne se souvient plus de qui était A. Et ça, ça peut être bien. Tout dépend de la chance qu'on a dans la vie. Mais quand on est quelqu'un qui subit beaucoup d'attaques, il a tout intérêt à se souvenir de qui il est. Donc, parce qu'il y a des choses dans la vie, il y a des choses qui sont à prendre, elles sont positives, et on va vers un changement positif, on appelle ça un épanouissement, du développement personnel, et on peut construire là-dessus, et monter. Mais s'il y en a, ça n'est pas toujours le cas dans la vie, parfois les gens veulent détruire, et à ce moment-là, les choses s'effondrent. Alors, est-ce qu'on a construit un château de cartes, ou est-ce qu'on a construit une forteresse? Un château de cartes ou est-ce qu'on a construit une forteresse? Donc à quoi s'attaque l'ennemi en fait? À quoi s'est-il attaqué? En fait, à quoi pensait-il s'attaquer? Pensait s'attaquer au mur? Ou s'est-il attaqué au toit? Ça, c'est quelque chose, à mon avis, en psychologie moderne, qui mérite étude. C'est l'impact de la mémoire. Sur la psychologie d'une personne.
La mémoire, ça m'a beaucoup aidé hein, dans des moments où j'avais affaire à des gens qui projetaient des choses fausses et tout ça. Et ça permet de passer au travers, en fait, très efficacement. Mais ce que je me demande, c'est que c'est ces gens comme ça qui attaquent, qui ne veulent pas voir, qui veulent tout déformer. Mais qu'est-ce qui reste d'elles, en fait, elles-mêmes? Je répète parce que elles, quelle est leur... Où est-elle donc, cette boîte noire? Où est-elle donc? Que reste-t-il? Que se souviennent-ils? C'est ce que je veux dire. C'est étrange. C'est comme ce système que j'ai construit, cette mémoire que je me suis fait. C'est par extension. C'est comme si j'étais une sorte d'homme un peu. C'est très moderne, extension de mémoire. Ça fait de nous déjà des cyborgs. On est déjà dans cette ère-là. On peut déjà considérer que c'est ça l'avenir. On aura des mémoires. On attendra que Elon Musk nous intègre de la mémoire dans le cerveau. Mais bon, en attendant, on l'a déjà. C'est juste qu'elle n'est pas dans la tête. C'est juste qu'elle est devant nos yeux. Et c'est ce que je me dis quand j'entends les choses que je fais, je me dis c'est marrant parce que j'ai mis tout de côté et en même temps je vais réactiver, je vais rouvrir ça, quelque chose il y a 6 mois, et puis c'est là, fraîche, comme si ça datait d'hier. Comme ça consolide beaucoup le psychisme, ça consolide beaucoup le psychisme. Et l'éveil, tout le travail qu'on a fait, c'est comme si on revenait jamais en arrière. C'est comme si on revenait jamais en arrière. Que même si on se relâche, on réactive, mais des choses qui inconsciemment dans le psychisme étaient là. Et on réactive à chaque fois les réseaux, on réactive à chaque fois. On consolide, c'est comme un défragmentage du disque dur. Et je pense que cette approche-là, elle n'est pas. Elle est pertinente, je pense qu'elle est pertinente et qu'elle est très pertinente, je pense. Mais je répète, ça m'étonne, parce que je me demande ceux qui, comme ça, tous ces gens qui sont là à vouloir jouer avec les autres et tout ça, mais est-ce qu'ils se rendent compte parfois avec quoi ils jouent? Je me demande. Savent-ils seulement qui ils sont? S'en souviennent-ils encore eux-mêmes? C'est drôle. Et donc peu importe. Peu importe que le. Ah, ça a été restauré. Peu importe le temps que ça dure. Vous voyez, il peut pleuvoir. Il peut avoir des orages, il peut avoir des tempêtes, il peut avoir des périodes différentes avec ce qui reste. Et puis parfois, mais si tu n'oublies pas, tu passes au travers. C'est très différent. C'est très très différent. Mais ceux qui attaquent, eux de quoi se souviennent-ils? À part avoir attaqué. Parce qu'ils peuvent attaquer 6 mois, hein, non? Après, ils se souviennent de quoi? À part avoir attaqué. On se le demande. On se le demande. Ils sont juste devenus, en fait, des mauvaises personnes. Et tout ce dont ils se souviennent, c'est d'avoir été mauvais. Comme des poissons rouges enragés dans un bocal.
Voilà. Moi, je m'amusais à faire du solfège. Avec un système, j'ai inventé un autre système. J'ai inventé un autre système. Qui me sert. Pour. Comment dirais-je? Pour me familiariser au solfège. Donc j'ai une deuxième machine. C'est pas le Mac, enfin, mais j'ai ça. Donc j'utilise Guitar Pro. Et Guitar Pro, c'est. C'est un programme de référence d'écriture musicale, de scoring. Et que je n'ai jamais utilisé avant parce que j'ai toujours été assez à développer des choses et toujours on the go, toujours très à les faire ou les enregistrer, donc pas tellement à les étudier. Enfin, oui, non, enfin, ça dépend des périodes, mais je trouve ça très intéressant parce que à l'heure actuelle, encore une fois, on peut apprendre des choses par soi-même comme autodidacte, et on a des outils. Et des outils didactiques en fait assez puissants. Et par exemple pour l'apprentissage de la musique qui n'existait pas avant. Mais la mémoire, c'est un des outils qui n'existait pas vraiment avant, mais ce qu'on avait, c'était écrire. Ça permettait de sauver la mémoire. Mais maintenant, on peut aussi apprendre ça. On peut voir, on peut entendre c'est quoi des croches, c'est quoi des triolets. C'est familiariser avec les noirs, les croches, les doubles croches. J'aurais pas pu faire ça. Si j'étais né 20 ans avant, j'aurais pas eu ça. Et ça. Parce que je pense à ça, moi je pense à cette génération, celui qui a tous ces outils, en fait, informatique, la mémoire, n'avait pas ça, on n'avait pas. Comme l'accès à Internet. Moi je pense par exemple l'accès à Internet, ça a eu un impact très positif sur moi. Parce que par Internet, j'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses. J'ai appris plus par Internet, plus de valeurs sûres, plus de vrais enseignements et que par les gens, en fait. Ça démocratise le savoir, Internet. Alors, c'est à double tranchant. Internet, ça peut être utilisé comme un instrument de propagande et de propagande, oui. Et de lavage de cerveau. Parce qu'on est noyé par l'information. On peut être noyé par exemple, ça arrive fortement avec les médias. On que des notifications de conneries jusqu'au moment où on devient con. Ça c'est l'effet pervers. Mais en même temps, il n'y a rien à faire. À la base, Internet, c'était pas ça. Internet, c'était pas ça. Internet, c'était plutôt. Jusqu'au moment où ils contrôleront un peu les informations. Mais tout un temps, Internet, c'était quand même un espace de liberté, de vérité, où l'information pouvait être alternative, quoi. Jusqu'au moment où ils vont la conformiser. Faut voir.
connaissais pas, moi j'ai pas appris. J'ai pas été à l'académie. C'est un outil incroyable, même pour l'harmonie. Je prends le solfège. Ben, quoi qu'il en soit. Et alors il y a d'autres outils, c'est les gammes. C'est invraisemblable ce Guitar Pro. Donc moi ça m'intéresse Guitar Pro parce que quand je fais ma musique, je suis venu à Guitar Pro parce que parfois je fais des productions avec une harmonie qui est assez plus spécifique comme ça. Et je me suis venu le besoin de pouvoir prendre des notes. Et alors je me suis dit, tiens, ce serait bien, je vois Guitar Pro. Et là c'est un outil qui permet au propre de prendre des notes en fait de sa musique. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à Guitar Pro et que je m'initie au solfège pour avoir la capacité de noter ma musique d'une manière assez efficace en fait. Et donc j'ai décidé de faire en sorte que ce programme devienne me familiariser avec le plus possible parce que c'est un programme de référence en fait. Donc c'est la 7e génération, Guitar Pro 7, il y en a eu plein. Ouais. On l'utilisera toujours, quoi, c'est Guitar Pro, quoi. Et c'est spécifique à la guitare, c'est en tablature. Mais en même temps, c'est en solfège aussi. Enfin, et il y a beaucoup d'outils dedans, par exemple d'harmonie, de gamme, je peux avoir toutes les gammes dedans. Que je connais déjà. Hein. Et d'autres que je connais pas. Tout ça offre un support analytique quoi, à la musique, c'est la dimension plus scolaire en fait de la musique, plus théorique. Ça donne un support à ça, et ça rafraîchit en quelque sorte la mémoire et le cerveau gauche de la musique. Ça permet de travailler dessus aussi. Et ça, c'est intéressant en musique parce que. Ça fait aussi partie de la musique. Chez moi, cette approche est assez complémentaire, quoi. L'écriture musicale, c'est longtemps resté ma bête noire, où j'ai mis ça de côté, en fait. Et je m'y suis jamais vraiment intéressé jusqu'au moment où je m'y suis intéressé. Et ça, c'est vraiment un outil qui permet de pratiquer. Normalement, ça met du temps d'apprendre à lire, c'est quelque chose qui demande beaucoup de séances et de pratiques jusqu'au moment où on assimile et tout ça. Et ça justement, ça t'offre ça. Tu vas commencer à. Beaucoup de solfège rythmique. Jusqu'au moment où, voilà, je peux écrire mes partitions, mes mélodies, je connais l'harmonie, tout ça, je connais. C'est juste écrit. Solfège rythmique, c'est vraiment ça qui est très important. Pour arriver à être efficace quand je veux écrire ce que je fais. Et puis pour noter les accords aussi, enfin, comme support vraiment. C'est intéressant d'utiliser la musique dans tout ce qu'elle peut offrir en fait. Parce que ça, c'est une discipline, enfin, la musique, ça offre beaucoup de possibilités d'épanouissement, d'apprentissage personnel. Qu'il soit émotionnel, hein, mais aussi intellectuel, quoi. Très intéressant. Cerveau gauche, cerveau droit. Je trouve ça très intéressant. J'ai appris le solfège tout seul. Comme l'harmonie, comme tout. J'ai tout appris seul.
C'est grâce à Internet, tout, je dois à Internet, quasiment à Internet, que Internet. J'ai eu un ami, ouais, qui lui m'a quand même parlé de la musique. Lui, il a fait toutes les académies, il fait tout. Il fait l'université et tout. Ouais. Il était musicien aussi, pianiste, tout ça. Et lui m'a donné de l'information que j'ai encore. Mais à part ça, Internet, c'est quand même un outil vachement puissant, Google, hein, pour un autodidacte. Enfin voilà. J'ai besoin d'une pause là. Je vais remettre un peu le son. Mais je dois brancher dans la carte son. On the go. Cool hein. Vous m'entendez? Allez.